Les amis, lui il est content. Il va pouvoir ouvrir ses calendriers de l'Avent. Il est où celui de chez Mamie Papi, chez Mamie Papi? Je vais la laisser là-bas, ok. Donc la case numéro 1. 1er décembre. Et dans 8 jours, mon fils a 10 ans. Happy Kinder. C'est parti. Hop. Ça, tous les jours. Hein? Mmh. Les amis, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, nous, nickel. Donc, Hugo est à l'école. Petite journée aujourd'hui. Donc, je le récupère à 12h10. Après, je ne sais pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui. Je ne vais pas vous mentir. Franchement, il ne fait pas beau du tout dehors. Il y a beaucoup de vent et il pleut, comme d'hab, quoi. Ils annoncent ça jusqu'à la semaine prochaine. Je préfère quand même la neige que la pluie. Mais bon. Donc ça y est, 1er décembre, ça passe quand même assez vite. Sinon, hier, j'ai regardé la story de Nadé. Et franchement, je peux vous dire que l'être humain me dégoûte. Mais vraiment, de plus en plus, comment on peut se dire dans sa tête, créer une fausse histoire comme ça. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la personne dont Nadé parle. Donc, elle parle de la GLC. Mais la personne qui a créé ces fausses histoires-là, oh, ça va vraiment très loin quand même. Enfin voilà, c'était juste mon petit point de vue là-dessus, même si c'est pas très important. Bon, je pars, je vais récupérer mon nouveau passeport. Puis après, je récupère mon fils. Bon, je suis prête pour de nouvelles aventures. Ça c'est fait, nouveau passeport, je suis tranquille. Mais quel temps de merde! Bon, je vais récupérer mon fils. Il a eu son bulletin, on va aller voir ça. Hein? On va voir les points. Bon, bah tranquillement, je me suis fait mon petit thé de chez Beauty Shop. J'ai le petit feu, je regarde ma petite série. Mon fils là, il est en train de jouer avec ses copains. Voilà, il fait déjà quasi noir, il est 16h08. Franchement, aujourd'hui, la journée, elle a été horrible dans le sens où il a plu quoi. L'été de chez Beauty Shop, donc ça va permettre de déstocker les graisses. Vous avez plusieurs formules de disponibles donc sur le site. Donc ce sont des sachets de thé individuels. Les thés donc sont 100% naturels, c'est conditionné et fabriqué en France. Je vous ai mis aussi donc le compte de la créatrice de la marque est juste ici, donc n'hésitez pas à aller la suivre. Code promo les amis de moins 80%, c'est valable sur tout le site, le lien en swipe up. Bon les amis, je vous reparle de Bling Box parce que j'ai reçu énormément de messages pour voir si j'avais toujours un code promo. Donc oui, avec mon code promo, vous avez votre box pour 29,99€. Et dans cette box, franchement, c'est canon. Donc là, moi, c'est la box beauté. Et dedans, je vous montre, vous avez un masque de la marque Sephora. Vous avez le rouge à lèvres Yves Saint Laurent que j'ai mis la dernière fois. Et vous m'avez demandé toute la teinte du rouge à lèvres. Donc ça vient de la marque Bling Box, donc... Enfin, ça va être de la marque. Ça vient donc de la box Bling Box. Et dedans, le produit qui coûte vraiment le plus cher, la palette Huda Beauty, qui est juste canonissime. Mais les couleurs sont vraiment juste trop belles. Regardez-moi les couleurs que vous avez donc dans la palette. Pourquoi ce prix-là? Donc, pour donc avoir donc la palette Huda Beauty qui coûte vraiment quand même pas mal. Et surtout aussi ça... Alors, comment ça se fait que nous avons donc de la marque dans les box à ce prix-là? Alors, tout simplement, c'est que Bling Box va récupérer dans les usines donc les produits qui sont invendus. C'est-à-dire que ce sont des produits qui ont des petits défauts, donc soit une griffe sur tout simplement le rouge à lèvres. Donc, s'il y a une griffe, on ne peut pas vendre. Sur la palette, s'il y a aussi une griffe ou alors s'il y a un petit coup dans justement le fard à paupières, ils ne peuvent pas vendre, donc ils récupèrent tout ça. Si vous avez aussi la box avec un lisseur donc pour vos cheveux dedans, c'est-à-dire que soit le lisseur, il y a trop de grammes ou alors pas assez. Voilà, les marques, ils ont des poids à respecter sur les appareils ou alors aussi tout simplement, il y a une griffe dedans. Donc voilà, donc eux, ils récupèrent, ils achètent ça aux usines.
c'est tout simplement un retour client. Ça veut dire que le client va acheter donc, par exemple, le rouge à lèvres au magasin. Et ben, pour finir, la femme trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le rouge à lèvres. Donc, elle va ramener le rouge à lèvres. Donc, ça veut dire que le packaging est déjà ouvert. Donc, comme ceci. Et ben, eux, ils rachètent, voilà, tout simplement, tout ce qui est les produits comme ça. Ce sont des produits sortis d'usine invendables. Et quand je dis invendables, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un petit défaut, mais c'est vraiment un mini défaut donc dans le produit. Mais voilà, pour les marques, c'est pas donc vendable. Donc eux, ils rachètent tout ça. Donc voilà pourquoi vous avez ça dans vos box. Donc dans celle-ci, ben voilà, il y avait la palette Huda Beauty, le masque Sephora et le rouge à lèvres. Vous recevez entre 1 et 4 produits, donc selon la valeur du produit que vous avez dans votre box. Donc quoi qu'il arrive, vous êtes gagnant de l'histoire parce que c'est minimum 50€ que vous avez donc dans votre box. Et vous payez donc avec mon code promo votre box à 29,99€. Si vous avez des questions donc sur Blingbox, franchement n'hésitez pas. Il y a un numéro de téléphone là, donc ils sont là pour vous écouter les amis. Du coup, le code promo, il est juste ici, donc n'hésitez pas. Donc avec mon code promo, vous avez votre box pour 29,99€. Le lien en swipe up. Bon, je suis restée au lit toute la journée, j'ai une petite rhinopharyngite. Donc je me suis reposée. Depuis tout à l'heure, je parle avec Amélie. Voilà, petit moment déclaration, je l'aime. Je l'aime Amélie Létaine. Et voilà, je l'aime d'amour. Elle se fait frapper dessus par son petit ami qui est entre autres son entraîneur de judo. Donc elle est défigurée, elle a des témoins, elle porte plainte et la justice ne fait rien. Donc c'est ça en fait maintenant, la vie de maintenant. Par contre, on nous casse les couilles avec ce putain de Covid, excusez-moi de l'expression, tous les jours à mettre un masque. On doit se faire vacciner, parce que si on ne se fait pas vacciner, on peut aller nulle part. On doit rentrer dans un restaurant avec un pass sanitaire, aller au cinéma avec un pass sanitaire. Si on n'a pas de pass sanitaire, qu'on a un fou ou n'importe quoi, on se prend des amendes. Mais ça, ça allait se passer. En fait, c'est ça maintenant la justice de maintenant. Donc ça nous fait chier avec le Covid. Mais donc les femmes peuvent se faire taper sur la gueule. En fait, il faut qu'elles soient dans un cercueil pour que ça bouge. En fait, c'est ça le truc. Avec toutes les femmes, ça se passe comme ça. J'ai vraiment l'impression que tant qu'il n'y a pas vraiment quelque chose de grave, ça bouge pas.